Bonjour, mon nom c'est Francis Biguet-Morel, j'ai 27 ans, je suis capitaine au groupe Océan depuis 2009. Mon travail principalement chez Océan Remorquage Québec consiste à escorter, appareiller et accoster les navires ici dans le port de Québec. Moi je suis responsable du Océan Rose-Godreau, qui est le dernier remorqueur de la flotte qui a été baptisé en 2011. C'est un remorqueur ultramoderne de 5000 forces de moteur, de propulsion azimutale, qui est équipé pour briser la glace puis combattre les incendies. Moi, ça m'était arrivé à l'automne 2011, où un hangar dans le port de Québec a pris feu. On était deux remorqueurs appelés à combattre avec nos canons incendies pour assister les pompiers. C'était toute une aventure, une belle expérience aussi. Ce qui me passionne le plus, moi, dans mon travail, c'est qu'il n'y a jamais une situation qui est pareille. La météo n'est jamais la même, les vents sont jamais les mêmes, le courant n'est jamais le même, l'état de la mer, les glaces, les navires sont jamais pareils, les quais, c'est jamais les mêmes. Alors, toute situation est différente, chaque bateau réagit différemment, chaque pilote avec qui on travaille, travaille différemment. Alors, c'est vraiment pas un travail routinier, puis c'est ça qui m'excite dans ce travail-là. Dans le cadre de mes études à l'Institut maritime, j'ai été appelé à faire un stage sur des remorqueurs de haute mer, au large de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse. C'est vraiment ça qui m'a donné la piqûre des remorqueurs, des machines super puissantes, manœuvrantes, fiables. Alors, c'est vraiment là que j'ai découvert mon goût, cette passion-là pour la manœuvre puis les remorqueurs.